Salut à tous. Alors j'ai constaté que beaucoup de professionnels renonçaient à réaliser des vidéos, non pas parce qu'ils n'en avaient pas envie, mais parce qu'ils avaient des difficultés à retranscrire leurs idées sous ce format. Pourtant, ce n'est vraiment pas compliqué, il y a juste à regarder tous les films, toutes les séries, pour s'apercevoir qu'ils s'articulent tous de la même façon, et c'est pareil pour les vidéos marketing, c'est pareil pour les films institutionnels et publicitaires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 étapes qui sont très simples à suivre pour réussir vos futurs scripts pour vos vidéos marketing. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour toujours plus de vidéos de ce type. Et avant de commencer à vous présenter les 6 étapes pour réussir vos futurs scripts, je vous conseille la lecture de Story Brand de Donald Miller qui présente les 7 piliers du storytelling. C'est vraiment super intéressant pour avoir les bases du storytelling et réussir ensuite à se raconter à travers la vidéo. Une histoire est la seule chose capable de retenir l'attention d'un être humain pendant des heures. Personne ne peut se détourner d'une bonne histoire. Voilà la citation principale que j'ai retenue de cet ouvrage que je vous recommande, vous l'aurez compris. Première étape à suivre pour réussir le script de votre scénario, la rédaction d'un brief créatif. Alors une vidéo marketing, c'est la combinaison d'un sujet traité et d'un objectif marketing que vous allez poursuivre. Et ces deux éléments, vous allez justement les définir dans ce qu'on appelle le brief créatif. Alors le brief créatif, il est souvent connu comme le document qu'on transmet à une agence ou à une société de production audiovisuelle quand on veut lui confier la réalisation d'une vidéo. Mais le brief créatif, vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres cas de figure. Par exemple, si vous voulez réaliser la vidéo vous-même, c'est pas un souci. Le brief créatif sera très utile également parce que ça va vous permettre de fixer le cadre de votre future vidéo et de définir l'objectif marketing que vous cherchez à atteindre. Donc par exemple, ça pourra être d'accroître votre visibilité sur LinkedIn, mais vous pourrez aussi chercher à travers votre vidéo à vous affirmer, à vous positionner sur un mot-clé en particulier sur YouTube, ou encore de développer votre crédibilité sur votre sujet de prédilection. Donc cet objectif, il est fixé en cohérence avec votre stratégie audiovisuelle et plus globalement à votre stratégie marketing globale. Par exemple, dans le cas d'une startup qui proposerait un outil de no-code, l'objectif marketing pourrait être d'augmenter sa crédibilité et de s'affirmer comme experte sur ce sujet. Vous allez ensuite définir le sujet de votre vidéo et les grandes idées que vous voulez faire ressortir. Donc ne réfléchissez pas trop à ce stade, mettez vraiment noir sur blanc tout ce que vous avez dans la tête. Vous pourrez dans un second temps reprendre vos idées et les classer dans un plan en 2 ou 3 parties. Si on reprend notre exemple, le sujet de la vidéo pourra être les 12 outils no-code à utiliser en 2023. Mais d'ailleurs, à qui vous vous adressez? C'est aussi dans le brief créatif que vous allez déterminer votre cible, donc à travers des critères démographiques, sociologiques, psychologiques et j'en passe. C'est super important et cette cible, en fait, il faudra toujours la garder en tête pendant toutes les étapes d'écriture du script parce que c'est vraiment à elle que vous allez vouloir vous adresser. Deuxième étape à suivre, le choix du type de vidéo. Tutoriel, after movie, témoignage client, film institutionnel et j'en passe, les possibilités sont multiples et le choix n'est pas toujours aisé. Ayez toujours en tête votre cible, hein, vos futurs spectateurs et ce que vous voulez apporter à travers la vidéo. Si c'est de la pure information, par exemple, un tutoriel sera parfait. Mais si vous voulez susciter davantage d'émotions, vous devrez aller plus loin en matière de récit. Donc là, on partira plutôt sur un film publicitaire ou encore une vidéo en motion design qui pourrait aussi convenir ici. Si vous voulez présenter de façon, j'allais dire, un peu plus corporate et de façon exhaustive votre entreprise et ses valeurs, un film institutionnel sera adapté. Vous pourrez aussi vouloir revenir sur un événement que vous venez d'organiser à travers une vidéo after movie ou encore organiser un live pour interagir en direct avec votre communauté et renforcer la proximité que vous entretenez avec elle. Si vous voulez recruter et attirer à vous les futurs talents pour faire grossir votre équipe, une vidéo marque employeur sera adaptée en faisant témoigner les collaborateurs que vous avez déjà, par exemple. Bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités et c'est pourquoi c'est super important d'avoir cette réflexion en amont sur le choix du bon type de vidéo qui correspond à l'objectif que vous avez préétabli à la première étape. Avant de passer à la troisième étape, je voulais juste faire une petite aparté sur la forme
que votre script peut avoir. Moi, mes scripts, je les écris sous forme d'un tableau, en fait, en trois colonnes. La première colonne correspond à tout ce qui va être dit, donc soit à travers la voix off, soit directement par vous en face caméra, comme ce que je suis en train de faire. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la description, hein, tout ce que vous allez mettre en scène, représenter à l'image, soit à travers des plans qui vont être filmés, soit par l'intégration de stock shots ou encore des animations en motion design. Et la troisième partie, qu'on oublie souvent, c'est la partie typographique, c'est-à-dire tous les mots-clés que vous allez vouloir intégrer à l'image, parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est indispensable que vos vidéos soient compréhensibles sans le son. Donc je ne parle même pas de sous-titrage à ce stade, je parle vraiment de mots-clés pour appuyer les principales idées que vous présentez dans la vidéo. Troisième étape, ça y est, on rentre dans le dur en abordant la rédaction de l'introduction. Comment motiver les spectateurs à regarder votre vidéo? Comment capter leur attention dès les premières secondes et les faire se sentir suffisamment concernés pour qu'ils poursuivent le visionnage? C'est vraiment deux questions qu'on se pose en permanence lorsqu'il s'agit d'écrire puis de réaliser une vidéo marketing. Cela renvoie au modèle Hook, qui est un concept marketing qui ne s'applique d'ailleurs pas uniquement à la vidéo. Vous pouvez écrire des hooks pour un article de blog, pour un email, pour un post sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est toujours de capter la cible, l'attention de votre cible tout de suite. Donc, il y a plusieurs bénéfices à apprendre à écrire des hooks performants. La première, c'est que vous augmentez l'engagement de votre audience, c'est-à-dire sa capacité à réagir à la vidéo qu'ils sont en train de visionner. Deuxièmement, vous renforcez votre compréhension de ce qui capte l'attention de votre audience, et ça peut être vraiment utile pour la suite de votre process avec elle. Et enfin, vous améliorez votre capacité à résumer l'idée principale de votre vidéo en quelques mots, parce que c'est là vraiment l'élément principal d'un hook, c'est en quelques mots de faire comprendre, de confirmer à votre audience qu'elle a bien fait de lancer le visionnage de votre vidéo pour traiter un sujet en particulier. Voici quelques astuces pour écrire un bon hook, c'est difficile à prononcer, un bon hook, ou une bonne introduction de vidéo. Premièrement, on va chercher à créer une émotion chez vos spectateurs et à susciter leur intérêt. Vous pouvez utiliser l'humour ou faire référence à l'un de leurs besoins. Il y a la pyramide de Maslow qui existe et qui peut vous être d'une grande aide ici. Ensuite, je vous conseille d'être proche toujours de vos spectateurs en s'adressant directement à eux. Vous pouvez les tutoyer si cela s'accorde à votre activité, aux relations que vous tissez au quotidien avec vos clients. Allez-y, aucun problème là-dessus. Et enfin, soyez percutant et dynamique pour donner envie d'en voir davantage. N'oubliez pas également de rappeler le sujet de votre vidéo tout de suite pour rassurer vos spectateurs sur le fait qu'ils sont au bon endroit. Enfin, soyez bref. Le temps de cerveau disponible sur Internet, on le sait, il est limité face à la multitude de contenus qui existent. Alors, il faut aller tout de suite droit au but. En vérité, dans votre introduction, vous allez présenter un problème que rencontre votre audience. Et dans les prochaines étapes, dans la rédaction de votre script, vous allez proposer une solution à ce problème. Quatrième étape à suivre pour réussir vos scripts, la rédaction du développement. Donc, c'est vraiment le cœur de votre vidéo dans lequel vous allez présenter la solution au problème que vous avez soulevé dans l'introduction et aussi apporter la preuve de ce que vous dites. Des éléments de réassurance, comme ça peut être des références clients par exemple, pour continuer à démontrer à vos spectateurs que vous êtes la bonne personne pour répondre à leur problématique. Donc il est temps désormais de rédiger le cœur de votre vidéo en développant les différents points que vous aviez listés dans le brief créatif. Vous vous souvenez, la première étape, je ne vous ai pas encore perdu. Donc là, les différents points que vous aviez mentionnés, on les avait regrouper, réorganiser dans un plan en deux ou trois parties, là vous allez pouvoir les développer. Certaines personnes seront suffisamment à l'aise pour rédiger les principales idées uniquement sous forme de bullet points, tandis que d'autres préféreront tout rédiger tout de suite. Si vous débutez, si vous n'avez jamais réalisé de vidéo et surtout que vous vous apprêtez à prendre la parole face caméra, je vous conseille dans un premier temps de rédiger votre intervention intégralement de A à Z. En plus,
de garantir le rendu final de votre vidéo. Ça vous limitera votre taux de stress, vous n'aurez pas besoin d'improviser lors du tournage. Concernant les trois colonnes du script, vous savez que je vous ai présenté il y a quelques minutes, on commence toujours par rédiger la voix off en premier, c'est vraiment ça qui sert de fil conducteur à la vidéo, puis on rédige les plans d'illustration qu'on imagine, et enfin les mots-clés qui seront intégrés à l'image lors du montage, lors de la post-production. Les plans d'illustration, ils sont très importants pour renforcer la compréhension de ce qui est dit. Ils permettent d'illustrer le propos et d'aboutir à un montage dynamique, alternant les plans avec l'interlocuteur à l'image si vous êtes sur ce type de vidéo, et les plans d'illustration. Sans oublier qu'ils sont utiles pour dissimuler les éventuelles coupes qui seront faites lors du montage si votre intervenant a bafouillé, par exemple, ce qui peut arriver, je l'accorde. Enfin, dès l'écriture du script, à ce stade, vous pouvez ajouter des précisions concernant des effets de transition, des effets de montage que vous imaginez, des transitions, des split screens, des accélérés. Les possibilités sont multiples en vidéo, alors profitez-en. Cinquième étape, la conclusion. Donc, c'est dans la conclusion que vous allez insérer le fameux CTA, notre call to action. Donc, soit à l'oral, soit à l'image à travers l'intégration d'un bouton cliquable. Comme sur les vidéos YouTube par exemple. Moi, je vous conseille de faire les deux. Ça ne fait que renforcer l'appel à l'action que vous adressez à vos spectateurs, à votre audience. Donc, pour le déterminer, votre call to action, souvenez-vous de l'objectif marketing que vous aviez identifié, que vous poursuivez à travers cette vidéo et que vous aviez donc déterminé dans le brief. Donc, on a plusieurs cas de figure ici. Si vous êtes sur une vidéo d'acquisition, votre but, c'est d'attirer de nouveaux prospects à travers la vidéo. Donc ces prospects, une fois que vous allez les avoir captés, il va falloir les activer en les accompagnant dans la suite de la découverte de votre activité, de ce que vous proposez. Donc on sera ici sur un call to action plutôt ludique, non agressif, surtout pas vendeur. Donc ça pourra être, on les invite à s'inscrire à notre newsletter, à notre prochain webinaire ou à télécharger un livre blanc. Si vous êtes sur une vidéo qui s'adresse à vos clients actuels, on est sur une stratégie de fidélisation, hein, c'est la rétention ici. Donc on sera sur un call to action de redirection vers d'autres contenus complémentaires, des contenus qui vont proposer des informations complémentaires par rapport au sujet qu'on avait abordé. On pourra aussi se permettre d'être un peu plus vendeur en poussant une offre en cours, une promotion par exemple. Donc là-dessus, on peut se le permettre. Et enfin, si on est sur une vidéo de conversion, là, on va chercher vraiment à convertir, comme son nom l'indique. Donc là, on peut se permettre un call to action un peu plus vendeur. Donc, une prise de rendez-vous qu'on leur propose pour faire une démonstration de son offre ou carrément un achat en ligne si vous êtes sur ce type de business. Sixième étape pour réussir vos scripts de vidéo marketing, relire et se faire relire. Pour vérifier que tout fonctionne. C'est pas la même chose d'écrire un article de blog et un script de vidéo. Un script de vidéo, il va falloir oraliser son propos pour se rendre compte si tout ça sonne juste en fait quand on le dit à l'oral. Donc c'est pourquoi je vous conseille en fait de relire votre script à voix haute. Ça vous permettra de voir si ça sonne juste ou pas. Donc ça c'est assez important. Sans oublier que ça vous permettra aussi d'estimer la durée de votre vidéo. Ça peut arriver parfois qu'on soit surpris au tournage parce qu'on avait un script de 3 pages et en fait on se rend compte qu'on arrive à 5-6 minutes de vidéo et que c'est beaucoup trop long parce que nous ce qu'on voulait c'est une vidéo d'une minute maximum à destination de LinkedIn. Donc voilà, en estimant la durée de votre vidéo avant même le tournage, ça vous permettra de faire les ajustements nécessaires. Et enfin, vous pouvez vous faire relire aussi par une ou deux personnes différentes. Ça permettra de bénéficier de leur point de vue, de s'assurer que tout est bien compréhensible. D'ailleurs, je vous conseille de plutôt vous faire relire par des personnes qui maîtrisent pas du tout le sujet que vous abordez. Ça, par rapport à leur retour, vous verrez si vous êtes suffisamment pédagogue ou pas dans votre vidéo. Alors, se faire relire par une ou deux personnes, pas de souci. Par contre, évitez de vous faire relire par 15 personnes différentes. Vous aurez 15 points de vue différents, il y aura débat et ça risque de créer un doute chez vous et de vous bloquer pour la suite de la réalisation d'autres vidéos. Donc ce serait contre-productif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ces 6 étapes vont vous inspirer pour la réalisation, pour la rédaction de vos futurs scripts de vidéo marketing, hein, des vidéos faites
pour mettre en valeur ce que vous êtes, ce que vous proposez, votre activité professionnelle, votre hobby, tout ce que vous voulez. Ce sont des étapes qui peuvent concerner tout type de rédaction de script. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 6 étapes-là. Si vous avez d'autres astuces à partager avec les abonnés. Si vous voulez en savoir plus sur le marketing vidéo, j'envoie une newsletter une à deux fois par mois sur votre boîte mail. J'essaye de faire ça régulièrement. Donc si ça vous intéresse de vous y abonner, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles.